À peine leur valise posée sur le sol canadien, Meghan Markle et le prince Harry songent déjà à partir. Les parents d'Archie souhaitent en effet se rapprocher de la famille de l'ancienne actrice, en Californie. Une source a donc révélé à eux. News que le couple s'était déjà mis à la recherche d'un sanctuaire dans la ville natale de Meghan Markle, à Los Angeles. Ils ont commencé à regarder les maisons en ligne et sont en processus d'entrevue pour trouver une équipe de sécurité, explique cette même source. Et d'ajouter, Meghan souhaite trouver quelque chose qui comble tous leurs besoins. Elle veut une propriété qui leur permettra de faire des réunions à la maison, de se divertir ainsi que de recevoir des amis. Ainsi, le duc et la duchesse de Sussex comptent s'installer sur la côte ouest au cours des prochains mois pour y passer une partie de l'été. Pour l'heure, Meghan Markle, le prince Harry et leur fils Archie vivent toujours dans leur somptueuse résidence de 642 mètres carrés sur l'île Vancouver. Madonna propose à Meghan Markle et Harry de loger chez elle sur Instagram. Madonna a posté une vidéo depuis les coulisses de sa tournée Madame X. Sur les images, la reine de la pop propose aux parents d'Archie de venir loger chez elle à New York, plutôt qu'au Canada. Meghan et Harry, voulez-vous louer mon appartement à Central Park West? A-t-elle écrit en légende de la vidéo. L'interprète de Like a Virgin explique d'ailleurs qu'ils ont choisi un pays ennuyeux en faisant référence au Canada, et qu'ils seraient sûrement mieux lotis dans la grosse pomme. S'y estime mieux que Buckingham Palace, mieux qu'un groupe de gars en chapeau de laine, assure-t-elle. Pas sûr que ces arguments parviennent à convaincre Meghan Markle et le prince Harry.